Bonjour, bien-aimé dans le Seigneur. Bien sûr, c'est moi, votre frère Jean-Baptiste Kabongo. Je ne suis pas vraiment habitué à faire des vidéos, mais je suis dans l'obligation de vous faire cette vidéo que nous avons publiée ces jours sur Facebook. Et nous sommes dans l'obligation de le faire parce qu'il y a beaucoup des questions à propos de ça. Il s'agit de la mort de notre frère, qui est mon ami très proche, qui vient de nous quitter. Il est mort d'une manière très bizarre. J'ai posté la vidéo de notre ami l'apôtre Isaac Ngele, et il se pourrait que faire donc aussi une vidéo pour exposer ce mal qui est comme un virus qui nous a envahi, nous le corps du Christ, à partir de chez nous au Congo avec les soi-disant pères spirituels. C'est un poison. Vous savez comment le pasteur Lukusa était mort, plusieurs fois empoisonné, et finalement il était empoisonné en prison, il ne pouvait pas sortir. Nous sommes tous au courant comment le poison est en vogue au Congo. Pourquoi? Parce que le corps dirigeant pastoral au Congo est corrompu. À Long Street, à Cape Town, c'était ça commençait dans ma maison. Avec les têtes des soi-disant pasteurs dans ma maison. On était dans la réunion et ce copac-là était né sur base de la cupidité lorsque on avait frappé Papa Mukuna, celui qui était emprisonné dernièrement. Il était venu ici, les combattants de cette époque-là l'avaient. Donc cette rumeur-là de l'argent, c'est pour elle que les pasteurs d'ici avaient aussi reçu, ou bien ils voulaient aussi recevoir. Maintenant, ils nous avaient appelés, comme moi j'étais au centre de la ville à Cape Town. On nous avait appelés, on avait siégé chez un prophète. Ouimpé. C'est là où on avait siégé pour commencer ce mouvement de pasteur. Mais là, j'avais entendu dans leur bouche que Mbongwana Eya, Tokoli Ayango, voyez un peu comment ce mouvement-là. Je m'excuse, on m'avait appelé. Je continue. J'avais quitté ce mouvement-là par révélation, parce que Dieu m'avait mis à cœur de quitter à propos de quelque chose que Dieu est en train de faire avec moi en particulier. Et finalement, j'ai compris que j'avais quitté ces mouvements-là parce qu'il y avait déjà des saletés là-dedans. C'est maintenant que c'est donc une des saletés est sortie maintenant, donc à l'œil nu comme ça. Presque chaque semaine, je me rencontrais avec lui dans le train. Il partait au travail. Il partait au travail, il travaillait la nuit au restaurant. Moi, je travaillais le matin. On s'est rencontrés dans le train comme ça. Et puis, il venait chez moi. Lui, avec moi, on a fait marier notre ami et notre pasteur. C'est un proche. Je connais son histoire, comment il s'est marié avec sa femme. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Le pasteur est mort de soucis. Pourquoi? Parce que sa femme était faite mariée, étudier la théologie. Voyez un peu ça. Il a fait marier sa femme. Écoutez un peu l'histoire. Le frère qui a marié la femme d'un pasteur, de ce pasteur-là, il se pourrait qu'il restait dans la maison de ce pasteur-là. Quand le pasteur partait au travail la nuit au restaurant, ce sont des choses qui se passent souvent ici. Quand le pasteur partait au travail la nuit, maintenant, la nuit, le frère restait avec sa femme. Admettons, avant dans le salon, tu as la télévision, tu as la cuisine, tu as la cabane, c'est comme ça qu'il s'était habitué. C'est-à-dire que le pasteur ne connaissait pas ce qui s'est passé dans sa maison. Maintenant, c'est drôle. C'est vraiment drôle.
Le pasteur Michel qui est mort, il avait une église. Comme on a des problèmes de salle ici, il avait fermé à propos des problèmes de salle. Maintenant, il a pris sa femme et est allé le déposer chez son ami. Son ami, il marchait toujours ensemble dans le train, à l'école, Matakita. Est allé laisser sa femme chez son ami. Voyez un peu maintenant comment l'histoire a tourné. Comment le diable a fait l'arrangement. Comment le diable a préparé la chose. Parce que c'est un grand organisateur, le diable. Maintenant, le pasteur en question qui est mort était parti laisser sa femme là-bas. Moi, je suppose que c'est la femme qui a demandé à son mari d'aller me laisser là-bas pour prier parce qu'on n'a pas l'église. Parce que ma kamuna zagikuna. Bakeko tika e kuna. Assemble la kuna. Dans peu de temps, baba lissie. Quand un garçon abandonne dans la chambre, na e kuna. Il se pourrait. Voilà, on a confirmé que ce y a bandeau vanda kuna. Mais ndendenge, ba e bisi biso na vidéo, oh yo basa ko dilite wana na. Donc, bozu vidéo wana botala yango. Ça, ce n'est pas grave. S'il n'y a pas de confirmation concernant ce qui est vendu en Ndaku, il y a pasteur Outé. Mais, pourquoi prendre la femme de ton ami proche, ton ami pasteur? Il se pourrait que Oulian Ndaku naïe. Obali saïe. Et pas y a Mondimi, il y a église naïo. Parce que moi, j'ai vérifié. J'ai appelé ce pasteur-là. Parce qu'il est aussi notre. Moi, si à pasteur Michel Abalaki déjà, tout ça, mais la rané l'église, mon corps, dans mon église. On m'a dit déjà. Quand déjà toi, tu dis que moi, si à pasteur, moi, si à moutou, ma kango ya moutouté, camarade ya moutouté, mais moi, si à moutou, déjà, tu es déjà coupable. Jugeons un peu ensemble. Parce que pasteur, à l'andela ma kambouana, pourquoi vous avez fait moi, si n'angaye? Bazo katate, et à la comité en voyant copac, et vendi ça été. Pendant que Moutaza et Kouluka Bango, qui vokata makamunangai, Bazo Luka, Baboya, il se pourrait que le pasteur en question a dit que, donc, Bali ça est encore. Dites-moi un peu vous-même. Voyez un peu ça. Donc, on n'expose pas cette salité parce qu'il y a la haine. Je n'ai pas la haine avec quelqu'un. Hein? Parce que nous sommes du nombre. Nous sommes des pasteurs de Cape Town. On était aussi dans les comités. On n'a pas crainte de la réputation. Mais on doit exposer la salité parce que le corps du Christ doit être sanctifié. Vous devez connaître la vérité. Voyez un peu ça. Souvenez-vous de l'histoire de Akan. Dans Josué chapitre 7, lisez un peu cette histoire-là. Comment l'Israël était frappé par ses ennemis. Ses ennemis que Israël avait frappé plusieurs fois. Mais cette fois-ci, Israël était devenu faible. Dieu a dit à Josué, l'Israël a péché. Il n'a pas dit à Akan a péché. Parce que Dieu avait dit de ne pas prendre le butin, de ne pas toucher aux interdits. Akan a pris, il est allé creuser un trou dans sa tente. Il a caché les histoires, l'argent, les histoires, les habits. Dieu a permis qu'Israël soit frappé à cause du péché d'un seul homme. Pas Akan a péché. Akan a avoué. Et maintenant, il était exposé, il était lapidé. Bien-aimés, nous sommes arrivés au temps de la fin. L'église de ce temps de la fin. Pas seulement l'église du Congo, mais l'église entière. Dans le monde entier, est déjà sali. Mais il y a une minorité de Dieu que Dieu veut amener un réveil. Si vous êtes dans cette salité par erreur, mais on a trouvé qu'on avait commis l'erreur, on devrait seulement les laisser, les combattants, les frapper. Parce que nous tous, nous sommes maintenant salis. On voit un peu ça. Alors, comment ça fait-il que... Donc, nous, en tant que pasteur, t'obalissi moi si à mon pasteur. Parce que avant, obalissi à mon une église, na yo, ils ont une investigation, tout ça là. Même le jour du mariage, ou en a tout n'a qu'un nani aébi, l'ikambu. Donc, si ma ya ba couple, oyo, avant de venir bango. Ce que vous avez dit, attends, moi, est-ce que vous avez dit, moi, ça, puis j'ai obalissi à bango?
Et le pasteur est mort de soucis avant même sa mort. Il se pourrait que il a dit que va tuer copa quoi na ba ko matin le bembe nangai. Voyez un peu. Alors on a publié vidéo oyo parce que oyo nga na publié ki ya camarade nangai, camarade na biso apôtre Isaac Ngele ba dilite yango. Na publié yango car juste pour na ko pèsa lumière. Zomona. Parce que les gens me demandent beaucoup. La communauté est en train de me demander. Alors, je n'ai pas de conflit avec quelqu'un ici. Je les aime, mes amis, pasteurs, chrétiens. J'ai prié pour eux et continue à prier pour eux, les uns pour les autres. Mais ça, c'est une situation familiale qui doit être mise sur la table et traitée. Vous comprenez un peu? Et j'ai fait cette vidéo aussi. Pourquoi? Parce que je veux savoir si les gens sont en train de delete, d'enlever mes vidéos, de voir si cette vidéo va être enlevée ou pas. C'est un test que j'ai fait aussi, mais j'ai préféré aussi faire cette vidéo pour vous informer. Vous comprenez? Parce que la famille du feu pasteur, donc à partir du Congo, ont demandé les informations. Alors, ils ont eu les informations d'un comité qui a quitté COPAC. Un comité de réformateurs qui cherche quand même de rebâtir l'œuvre de Dieu. Et ce comité-là, qui est en charge des funérailles même de feux pasteurs, ils se sont mis ensemble autour de la table, parler. Il se pourrait même que la famille du feu pasteur connaît même plus que même nous à propos des choses que les pasteurs ont fait contre pour la mort de notre ami-là. Alors, bien aimé dans le Seigneur, donc, je vous partage cette vidéo avec peine dans mon cœur. Je ne suis pas dans la joie. Ça ne me fera pas du bien, mais je le fais parce que je sens cela un fardeau. Pour que vous puissiez connaître, parce qu'il y a beaucoup de choses mauvaises, sales, dans cette communauté ici, des pasteurs. Alors, ce que nous faisons ici, c'est quoi? Vous devez ici doivent être connus d'une manière un peu logique comme ça. Que Dieu vous bénisse. Continuons à prier les uns pour les autres. Pour ceux qui sont concernés, vous êtes cités dans cette affaire. Repentez-vous. Remettez-vous sur le rail. Si vous ne vous repentez pas, ça va vous suivre. C'est ce qui est arrivé. Parce que donc la semence de la mort est déjà semée. Ça va encore produire encore. Selon